Un autre projet, c'est aussi Vican International cette année. J'invite Mme Nathalie Couson à venir vous en parler. Ce que vous allez voir dans les prochaines minutes est le fruit d'un travail collaboratif asynchrone réalisé autour du roman de Larry Tremblay, L'Orangerie. Ce travail a débuté à l'automne à l'Institut de Lancy avec des lycéens suisses, élèves de Madame Caroline Duret. Il s'est poursuivi ensuite durant l'hiver dans de nombreuses classes de la région de Québec. Enfin, quelques-unes de mes élèves ont accepté, suite aux événements tragiques survenus au Burkina Faso, de s'impliquer sur une base volontaire et d'élaborer pour le refaire une présentation multimédia où elles ont tissé toutes les réflexions et productions qui avaient suscité la lecture du roman dans chacune des classes, en les liant à l'actualité et au développement de valeurs citoyennes. Les élèves avaient à cœur de montrer qu'à l'école, on se soucie de ce qui se passe dans le monde. Elles voulaient aussi démontrer qu'elles y avaient fait des apprentissages utiles pour la vie et pas seulement pour les examens. Développer leur jugement critique et leur citoyenneté. Travailler à la construction d'une vision du monde et de valeurs universelles. Enfin, mettre de l'avant leur autonomie et leur pouvoir d'action. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'histoire, l'Orangerie se déroule dans un pays en guerre. Il y est question de bombardements, d'attentats suicides glorifiés, et d'un père qui doit choisir lequel de ses deux fils jumeaux va exploser. Le roman est donc en toile de fond et sert de prétexte à la présentation d'un argumentaire contre les actes terroristes, tout en faisant appel à une résistance solidaire contre le terrorisme. Je laisse maintenant la parole à Kim, Catherine, Alexina, Théodora, Florence et Jessica. Transmet la haine de père en fils. Donc, on enseigne la haine aux enfants. Et c'est donc un cercle vicieux qu'il faut couper, arrêter, stopper. Montrer qu'ils sont presque conditionnés à agir de la sorte. Et c'est une partie, c'est évidemment, ils sont responsables, mais c'est leur société aussi, c'est leur culture. C'est parce que si on est toujours plongé dans nos propres codes, on risque de s'aveugler et de croire que nous sommes les meilleurs ou que nous n'avons pas de problème, alors qu'il faut, pour améliorer nos sociétés, il faut s'en distancier. Donc, chaque société a ses problèmes, ses idéologies et, ou son endoctrinement. Et c'est à travers l'esprit critique, la réflexion critique, qu'on comprend ce mécanisme et qu'on puisse aussi s'en libérer. Ahmed, mon cher frère Ahmed a été choisi. Il va honorer notre famille. Bientôt, il partira derrière les montagnes. Bientôt, notre Dieu va le récompenser de cette mission terrestre. Et cela grâce à Sulayed, le chef de notre village. Il aidera mon frère à accomplir cette mission. Merci, Sulayed, de m'avoir confié cette ceinture. Une arme puissante qui rendra mon âme légère. Ma mort vaudra celle de milliers. Merci pour cet honneur. Hey, merci les filles d'avoir lu le roman L'Orangerie puis d'avoir accepté d'en parler avec moi. Alors, qu'en pensez-vous?
Moi, je pense que c'est un roman magnifique. En effet, il traite de la guerre et du terrorisme, et c'est d'une façon très intelligente. C'est vrai. Ce livre-là, il m'a permis de voir une facette complètement différente de toutes ces guerres idéologiques-là. Il nous a permis de voir de l'autre côté de la médaille sans pour autant blâmer l'Orient ni l'Occident. Oui, vous avez raison. Souvent, on fait vraiment attention à ce qui se passe autour de nous, mais on ne fait pas attention à ce qui se passe directement ailleurs. À une autre époque, les jeunes vulnérables devenaient nazis, tu sais, puis là, ils deviennent terroristes. C'est comme si c'était la nouvelle mode pour embarquer des jeunes vulnérables. Il y a des femmes qui se retrouvent dans des réseaux de prostitution, il y a des gars qui se retrouvent dans des gangs de rue, il y a toutes sortes de choses, tu sais. Mais fait qu'il y a un marché pour les armes perdues, puis il y a des gens qui exploitent ça de toutes sortes de façons. Je pense que la seule affaire qu'on peut faire, c'est d'aimer nos enfants, puis de leur parler tous les jours, puis d'être au courant de ce qui se passe. Puis de les inviter à parler. Je trouve ça vraiment horrible qu'on demande à des enfants de se sacrifier. C'est vrai, mais je pense qu'on demande à ces enfants-là de se sacrifier parce qu'ils ont des esprits plus malades que ceux des adultes. Donc, on n'a pas besoin de fonder ses dires sur ce qu'on leur demande. Aussi, je pense que vu qu'ils n'ont pas autant d'expérience de vie, ils ne comprennent pas l'envergure de leurs actions. Bien, on a juste à prendre l'exemple de Ahmed et Aziz. Ils croient devenir des héros en sacrifiant pour leur Dieu, mais dans le fond, ils se font juste manipuler sur l'honneur qui est une valeur vraiment importante pour eux. Eux, ils jouent sur le code d'honneur, sur le courage, sur le fait que c'est honorable de faire ça. Donc, si on réussit à tourner les images de talibans ou d'États islamiques ou ce qu'ils ont leur fou, ou ce qui ont l'air clown, ou ce qui ont l'air pas honorable. Ça, si on réussit dans l'aide du public à les ridiculiser, ça fait qu'ils vont avoir moins de chance qu'un jeune qui est allé à l'écart du groupe dise « moi, je veux être comme eux ». Islamique a revendiqué l'attaque et l'a attribué au groupe Al-Mourabitoun du chef djihadiste Mokhtar, Belmokhtar. Je pense que les médias ont vraiment un rôle important à jouer dans toute la propagande qui entoure le terrorisme. Je suis d'accord. Hey, savez-vous qu'au Québec, seulement 1% des nouvelles sont internationales? Ouais, puis ça, c'est après qu'ils aient sélectionné tout ce qu'ils veulent nous présenter. Imaginez si on a juste 1% des nouvelles dans les autres pays, ça doit être pareil. Fait que dans le fond, la population est vraiment sensible, puis c'est vraiment facile de la manipuler. Et elle est plus truc à la propagande. Certains mènent aveuglément la guerre, ignorant ce qui la motive vraiment, poussés par ceux qui le savent, et qui se gardent bien de dire la vérité. Celui qui se sert de la foi pour commettre des crimes odieux est un homme sans corps ni âme. Un homme indigne de l'humanité. La guerre est un vice qui anéantit, qui détruit, une tare qui affaiblit, qui consume l'esprit de l'homme et le monde qui l'abrite. J'ose croire que la paix est en chacun de nous. Fragile et délicate comme une fleur, elle est magnifiée par l'amour qu'on lui voue. Chacun tente d'atteindre ce joyau inestimable à sa façon. Malheureusement, tout semble éprouver quelques difficultés à le protéger. Afin de protéger la paix, nous nous faisons la guerre, faisant pousser des ronces autour de ce jardin de lumière et la cachant encore plus de notre vue. Éventuellement, elle sera à jamais inaccessible. La paix fait éclore la fleur, la guerre la fleur. Choisissons de libérer la beauté en délaissant nos craintes, en faisant confiance en la vie. Une fleur ne peut que s'épanouir si on en prend soin. Vous l'arrosez, l'exposez au soleil et lui murmurez des mots d'amour. Soyons fiers de cultiver notre fleur, de vivre en harmonie, peu importe les ronces ou le désert. Il faut faire abstraction de nos différences. Ma pensée utopique me permet de croire en la paix, la collaboration et l'amour entre les hommes et les femmes. Cependant, il devient très facile de perdre espoir dans ce monde corrompu où se débattent violence, haine et hypocrisie. Ne nous laissons pas dominer par nos natures humaines, mais collaborons avec le meilleur de nous-mêmes afin que règne la paix. Oui, j'ose croire que la paix est en chacun de nous. Un jour viendra où nous retrouverons l'art de vivre ensemble. Un jour viendra où nous oublierons les raisons de nos conflits. Je suis Ahmed.
Je suis Aziz. Je suis Charlie. Je suis Carrier. Je suis le renouveau. Je suis le monde. Et j'ai confiance. Okay.